Je vais parler de mon projet des idées plein la tête parce que c'est un projet qui est fait sur un papier murieux. Alors, c'est une toile 20×24. C'est vraiment facile à faire, ça va super bien. On colle le papier murieux dans un premier temps. Et j'ai travaillé avec les crayons aquarellables. Et c'est ce que je vais vous parler ce matin des crayons aquarellables. Alors, je vais faire une petite démo. Je vais vous faire la petite démo aussi, comment coller le papier murier dans un premier temps. Et j'ai préparé nos pièces pour faire vraiment la petite démo des crayons aquarellables, puis vous donner un peu un survol là, de comment j'ai travaillé mon patron. Alors, il est disponible autant en patron qu'en cours en ligne. En fait, lui, il est déjà disponible sur Thinkific, pinceau-thinkific.com. Et je le fais aussi, je l'offre en séminaire vendredi le 14 octobre de 9h à 16h environ, selon où est-ce qu'on est rendu. Alors, ça se fait bien, c'est du collage, technique mix avec, je travaille avec l'acrylique fluide aussi de Golden. Et je termine avec le fusain pour le visage. Alors, on va tourner la caméra. Alors, j'ai travaillé, c'est sûr que ma toile est plus grande, elle est 20×24 que celle-là. Celle-là, c'est une petite 10-12 juste pour montrer la technique du papier murier. Fait qu'on a le choix de travailler avec le 1 pouce et demi ou le 2 pouces et demi. Dans mon Thinkific, dans mon cours en ligne, j'ai travaillé avec mon 2 pouces et demi. Mais ici, ma toile est plus petite, je vais travailler avec... c'est-à-dire, ma toile est là pour le collage. Celle-là, c'est pour coller mon papier murier. Excusez, je suis en train de me tromper. Je vais prendre ma grande spatule pour coller. Alors, c'est avec mon gel mat que je vais coller mon papier murier. Fait que dans un premier temps, mais c'est ça, si la toile est vraiment vierge, là, non apprêtée directement. Alors, je viens déposer mon gel sur ma toile. Je viens vraiment mettre une belle épaisseur pour avoir une bonne adhérence pour mon papier. Je m'assure qu'il n'y ait pas de trou ici à nulle part, qu'il ne manque pas de partie de gel parce qu'automatiquement, ça va gonfler, ça va faire une bulle d'air. Fait que c'est important qu'il y ait du gel partout avant de coller notre papier murier. Étant donné que ma toile est petite, je le fais toute dans une shot. Quand elle est un peu plus grande, comme ma 20-24, on peut le faire en deux parties. Fait que je vais vous montrer, je vais faire juste une moitié, puis après ça, je viendrai couvrir l'autre partie au lieu de le faire tout dans un bout. Ça va vous donner une idée de la façon de le faire. Fait que je viens vraiment mettre du gel, une bonne épaisseur, un peu partout. On a le temps parce que le gel, il sèche pas si rapidement que ça. C'est un peu pour ça que j'utilise le gel aussi pour coller le papier murier, parce qu'il est un petit peu plus long à sécher, mais en même temps, ça me donne la latitude. Si jamais j'ai à le bouger, à le relever, ça va bien. Je viens appliquer comme il faut. Je m'assure d'en avoir partout. J'ai une bonne épaisseur. Je vais utiliser mon grattoir jaune pour placer mon papier. Quand on vient pour coller, on essaie d'avoir les rebords, mettons, égaux à la toile, au lieu d'avoir de l'excédent tout le tour, au lieu de le coller directement comme ça, que ça dépasse ma toile, je viens vraiment essayer de coller un coin qui va faire c'est égal d'un côté. Fait que je vais avoir moins de découpage après, tout simplement. Fait que je viens juste positionner mon papier dans un premier temps. Fait que vous voyez, je peux l'ajuster un peu, étant donné que mon gel est quand même assez épais. Et je vais prendre mon petit grattoir jaune, puis je vais venir le faire adhérer comme il faut. Il faut s'assurer, si jamais il en sort un petit peu, c'est moins pire dans notre cas, parce que c'est un mix média, fait que ça paraîtra pas trop, même si j'ai une tache. Mais si je travaillerais juste avec les crayons,
crayon aquarelle, l'adhérence est moins bonne s'il y a trop de gel dessus. Fait que à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est d'essuyer votre shop towel. Si jamais si vous avez du gel qui dépasse ici au niveau de la toile, bien, juste essuyer votre grattoir jaune. Fait que je viens vraiment passer partout mon grattoir. Fait que je vois que c'est tout bien adhéré. Une fois séché, ça paraîtra plus. Là, si je serais sur une grande toile, j'ai juste relevé une partie, puis je vais terminer le reste. J'y vais avec le même principe. J'applique mon gel. Ah, c'est gentil, merci. Si jamais tu as des questions, je peux te dire bonjour. Vous êtes rendu à 31. Oui, c'est bon. Tu vois à peu près ce qu'il veut. Ah, parfait. Et voilà. Fait que là, j'ai complété avec mon gel. Je reviens positionner le reste de mon papier. Je viens le faire adhérer. Je pars souvent du centre pour juste le positionner pour que le surplus aille dans les côtés. Comme ça. Et je passe encore là ma petite pâte jaune. Fait que c'est vraiment la petite technique là, qui est assez simple pour coller notre papier mûrier. Fait que c'est, on voit un peu des lignes de ma spatule, mais ça, il n'y a pas de problème. Quand ça sèche, ça disparaît. Fait que le papier va être uniforme. Ça va être parfait. Fait que je le laisse sécher. Ça prend un bon 12 heures à sécher. Fait qu'idéalement, c'est de le faire un 12 à 24 heures à l'avance. Si vous savez que vous êtes pour travailler sur votre projet, juste le faire à l'avance à ce moment-là. On le laisse sécher. Puis, ensuite de ça, je le dépose à côté. Je vais prendre mon autre pièce pour vous montrer. Comme c'est ici. Fait que là, lui est bien sec. Hein? Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Fait que lui, il est bien sec. J'ai oublié de m'emmener une planche de bois. Mais normalement, je me mets une petite planche de bois en dessous pour tourner ma toile. Puis, je viens couper le long de ma toile. Non, je vais le faire sur mon papier palette, tu sais, juste pour donner une bonne idée. Comme ça. Et voilà, on tourne ça de bord. On tourne ça de bord, mais il est fait. Comme ça. Fait que je me mets un morceau de maçonnette ou comme j'ai là, dans le fond. C'est parfait. Puis, je viens couper avec mon exacto le long de ma toile. Fait que j'enlève l'excédent. Ce que je fais après, une fois mon excédent est enlevé, je vais me prendre un petit papier sablé. Ah, je pensais l'avoir apporté. Je suis un peu plus nerveuse, moi. Fait que je me prends. Fait qu'on voit que ça fait comme un petit peu déchiré. Fait que je viens juste vers le bas passer un petit coup de papier sablé sur le rebord pour juste l'égaliser comme il faut, tout simplement. Fait que ça me fait un côté qui est fini comme il faut, bien droit. Puis, on est prêt après ça. Donc, on pourrait faire le projet sur une
Au lieu de le faire sur une toile, sur une planche de maçonnette aussi? Oui, il pourrait. C'est juste quand on vient pour l'encadrer. Ah. Si on veut le rendre un peu plus moderne, qu'on n'ait pas de cadre par-dessus le maçonnette, parce que le maçonnette est trop mince, on ne peut pas le faire en flotteur, parce que lui, éventuellement, il y a un cadre qui s'en vient qui n'est pas arrivé malheureusement. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'accrocher un maçonnette au mur, c'est difficile aussi. Oui. Fait que c'est sûr, je le conseille moins, parce qu'il faut avoir soit un cadre par-dessus pour l'accrocher au mur. Fait que si vous avez la chance à ce moment-là, plus de le faire sur une toile. Mais oui, c'est possible. Si vous voulez vous faire des petits tests, là, c'est une belle façon. Un maçonnette, ça revient pas dispendieux. Puis vous faites des petits tests, puis après ça, vous dites OK, j'aime mon projet, je le fais sur une toile. Merci. Bienvenue. Une toile cartonnée, ce serait la même chose? Toile cartonnée, c'est la même chose. C'est quand on vient pour l'accrocher, on peut mettre un petit crochet avec des dents. Ça, ça va bien pour l'accrocher au mur. Mais ça reste que ça n'a pas d'épaisseur. Quand tu la regardes sur le mur, on dirait qu'il manque un petit quelque chose au niveau visuel. Hein? Ouais. Ou sinon, on la met dans un cadre, mais le cadre, il faut qu'il embarque par-dessus à ce moment-là. Ouais. Tu ne peux pas le mettre dans un flotteur. Fait que, comme ça, fait que je vais vous montrer maintenant la petite technique pour les crayons aquarellables. C'est allemand, ça, hein, ce produit-là? Pardon? C'est allemand? Oui, c'est... Oui, c'est ça. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, si je ne me trompe pas, ça vient de l'Allemagne. Je vais vous montrer, il y a des fois, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement habitués avec le transfert des croquis. Fait que ce que j'ai fait dans mon cas, souvent, on va le transférer sur un papier calque. Mais dans mon cas, il n'y a pas quand même beaucoup de détails. Fait que je l'ai laissé sur ce papier-là, mais si jamais vous êtes moins habitué, vous pouvez le remettre sur un papier calque avant et venir le transférer. Parce qu'au cours qu'on peint, des fois, on perd un peu notre ligne. Fait qu'il va falloir venir le repositionner. Fait que c'est sûr que quand on revient positionner, bien, c'est plus facile avec le papier calque. Fait que dans mon cas, je suis venue vraiment, cette fois-ci, placer mon image et je place mon carbone en dessous pour transférer le croquis. Fait que des fois, les gens qui sont moins habitués, dans le patron, vous avez déjà le croquis à l'intérieur. Fait que vous venez positionner votre carbone. Je suis pris dans mon carbone. Fait que vous venez positionner votre carbone entre les deux. Et ensuite, l'image, vous faites bien attention quand vous la positionnez. Je sais que j'ai mis à 6 pouces du bas. Et je me rappelle pas par cœur. La base du cou à 6 pouces? La base du menton. OK. Oui, du menton ici à 6 pouces jusqu'au bas de la toile. Oui. Fait que je suis venue vraiment transférer ça. Fait que ça, c'est notre première étape à faire. Parce que ça nous guide un peu quand on va faire l'application de la couleur. Parce que j'ai pas beaucoup de couleurs, si vous remarquez, au niveau. J'ai pas de couleurs intenses au niveau du visage. En avant. Fait que je suis venue vraiment travailler un petit peu en négatif, hein, mais c'est très léger. Fait que je ne vais pas avoir des grosses couleurs un peu. Fait que au moins, je suis avec le croquis, ben ça me guide beaucoup. Alors, ici, l'étape assez agréable à faire. Ici, avec les crayons Faber-Castell, je vais juste essuyer ma petite spatule, là. Alette, ça va bien? On n'a pas de questions? Non, je suis pas bien. On est rendu à 37. C'est bon. Vérifie ça pour moi, c'est bon. Encourage. Alors, la façon de travailler avec les crayons Faber-Castell, la façon que je les fais, c'est pas nécessairement la seule et unique façon. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Mais dans notre cas, pour ce projet-là, je l'ai travaillé sur mon papier palette. Je enlever ma petite poussière. Bien, je l'ai travaillé sur mon papier palette et avec une petite pochette de plastique de patron. Fait que, je prends ma pochette de plastique, je viens juste la découper. La défaire. La roue.
Puis je vais l'utiliser pour venir estamper sur mon papier mûrier. Fait qu'à ce moment-là, je commence, si je ne m'abuse, c'était avec le vert or. Puis je viens vraiment griffonner sur mon papier palette, aussi simple que ça. Fait que j'ai vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous cacher, comme ça. Est-ce que... Oui, c'est parfait. Je viens griffonner ici, je viens juste envoyer de l'eau. Vous allez voir la différence. Présentement, j'ai pas mouillé ma toile. Je vais vous, dans le patron, je dis mouiller un peu ici et là votre toile, mais je veux juste vous montrer la différence quand je mouille et quand je mouille pas. Fait que dans ce cas-là, je vais aller travailler ici. Fait que ici, c'est humide. Je prends mon papier, ma pochette de patron. Je vais me promener dedans. Si on le voit bien. Fait que je me promène dedans. Et je viens prendre ça, puis je viens l'étamper sur ma surface. Ben oui. Un flou qu'on va avoir. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est le fun parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je fais juste créer une ambiance. Mm. Tu sais, c'est pas la finition, c'est le début. Fait qu'on s'en fait pas, on s'en va un peu partout. Sauf qu'on va pas trop foncer au niveau du visage. Fait que quand on arrive ici, on va humidifier un petit peu plus pour pas que ça soit trop précis. Mais en même temps, si on veut quelque chose un peu plus précis, on humidifie moins puis c'est correct. Faut garder en tête aussi, quand on vient humidifier, vous allez voir ce que ça va donner. Là, ici, je vais humidifier. Vous allez le voir, il va se promener un peu plus. On le voit travailler un petit peu. On va le laisser aller. Vous allez voir, il va devenir encore un petit peu plus flou éventuellement. Après ça, je vais me mettre un petit peu d'eau ici dans le coin avant. Puis je vais venir déposer dessus. Fait que je me reprends encore de mon liquide. Et je reviens dedans. Ouais. Fait que c'est vraiment agréable à faire, pas compliqué non plus. Si j'en veux encore plus, je reviens encore une fois. J'humidifie un petit peu. J'en veux un petit peu ici et là. J'en ai aussi dans le bas. Fait que j'en ai un petit peu ici dans le bas aussi. Fait que je reviens encore avec ma pochette toujours et je viens étirer. Fait que là, il ne m'en reste pas beaucoup. Si jamais on en met trop, vous voyez, j'en ai quand même, c'est quand même assez intense au niveau du visage, mais je reviens peindre mon visage avec du blanc. Fait que je vais l'atténuer, je vais le perdre. Fait que c'est quand même pas... je suis pas inquiète, mais je cherche pas nécessairement à en mettre beaucoup. Parce que ça va prendre plus de blanc à ce moment-là pour cacher. Mm-hmm. Puis, si je veux l'estomper un petit peu, je peux venir donner un petit jet d'eau aussi. Fait que je travaille vraiment de cette façon-là. Je le veux un petit peu plus dilué, moins prononcé. Je sais pas si vous êtes habitué avec les brunes vaporisateurs. Oui! Ah, OK. Ça va vraiment bien. Ça fait vraiment juste une petite brune, vraiment floue. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Tandis que les autres, les push-push, là, plus à aérosol, bien, ça fait plus des grosses gouttelettes, plus gros. Fait que c'est sûr que ça va se promener un peu plus à ce moment-là. Fait que là, j'avais pas remis du crayon, mais j'ai remis de l'eau. Fait que ça va être encore un petit peu plus pâle naturellement. Fait que je reviens dedans. Je me promets. C'est de l'aquarelle qui est à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est aquarellable. Fait que ça se réactive. Ouais. Oh oui, quand c'est sec, ça vient. Oh, oui. Ouais. Avec de l'eau. Ah, oui. Après, nous, on va travailler avec l'acrylique. Fait que là, à ce moment-là, il devient fixé. OK. Ouais. Fait qu'il ne bougera plus. Sauf que je vais travailler aussi à la fin. Bien, pas dans ma démo, mais quand je travaille dans mon projet, je travaille avec le fusain. Fait que lui, c'est bien important de le fixer aussi. Mmh.
Fait qu'à ce moment-là, c'est un vernis à aérosol. Parce qu'autrement, on va le promener sur notre projet. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je m'en viens jouer sur mon projet avec mes couleurs. Fait que là, à ce moment-là, j'ai terminé avec mon vert. Je me dis, bon, OK, pour l'instant, j'en ai assez. Je pourrais revenir à la fin si je vois que j'ai pas assez de vert après avoir fait mes trois couleurs. Je pourrais revenir en mettre aussi sans problème. Fait que je vais aller, je sais pas moi, si je suis dans le temps. Oui, OK. 11h21. OK. S'il se réactive, tu mets du bleu. Vas-tu perdre ton vert? Non. Non, eh bien, il se réactive, mais il bouge pas tellement. OK. Ouais, c'est pas comme un vrai crayon aquarellable qui bouge un peu plus. Oui, OK. Ouais. Ben, il rentre beaucoup dans le papier aussi. Fait que oui, ça, c'est ça. Fait que là, je viens avec le turquoise qui se trouve cobalt turquoise, le numéro 153. Tantôt, j'avais le vert de mai, le numéro 170. J'avais oublié de le dire. Fait que je reviens. Je peux laver mon plastique aussi si jamais je ne veux pas mélanger les couleurs. Mm-hmm. Même si j'aurais un peu de vert, ça va me faire une autre teinte. Ça me vaut aussi. Oui, tu sais, c'est pas précis ce qu'on fait. Fait que je vais jouer dans deux teintes. Ça me crée un ton de... Fait que vous gardez en tête qu'on a mouillé un peu aussi à quelques endroits. Puis, plus que je mets de l'eau sur mon pochoir, sur mon plastique, c'est la même chose. Automatiquement, j'ai encore plus d'eau. Fait que vous voyez, ça fait un petit peu plus diffus ici, étant donné que j'ai un petit peu plus d'eau. Quand c'est un peu plus sec, comme sur le coin ici, c'est un peu plus sec... Fait qu'il va être un petit peu plus précis à ce moment-là. Fait que c'est vraiment la technique là, des crayons Faber-Castell que j'ai utilisé dans le projet. Fait que je suis un petit peu plus foncée dans le haut, un petit peu plus pâle dans le bas. J'en veux quand même un peu dans le bas. Fait que je me promène, j'ajuste... Ah, en passant, c'est vrai, c'est important, je suis en train d'oublier, de ne pas reprendre votre crayon puis le repositionner dans la même couleur où il y a eu de l'eau. Ah. Parce que lui, c'est comme si ça l'empêche de fonctionner à ce moment-là. Okay. Fait que si vous remarquez, je le fais toujours à côté. Sinon, je viens juste laver mon papier, puis là, je peux continuer. Okay. Sinon, il vient humide, puis il travaille moins bien. OK. Okay. Fait que je fais la même chose, je me promène. Je pourrais aller directement sur ma pochette aussi. Crayonner. Ça va être un petit peu plus intense. Puis venir positionner. Vous voyez comment l'intensité est plus présente. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment à jouer avec. Puis après ça, je travaille avec le Outremer, l'Ultramarine, le numéro 120. Et je fais la même chose aussi. Je m'en viens crayonner. Je suis un petit peu plus foncée dans le haut. À la fin, c'est sûr, je viens travailler avec l'acrylique, mais pour le moment, pour le début, je suis un petit peu plus foncé quand même dans le haut. Fait que je reviendrai avec mon ultramarine pour répéter la même chose. Fait que là, j'ai pas mouillé. Il va être un petit peu plus prononcé. Fait que j'en ajoute autant que j'en veux. C'est vraiment selon votre goût, selon ce qu'on recherche. Oui, ils sont bien, là. Ouais. C'est mes couleurs. Oui?
Juste comme ça, c'est beau. Oui, c'est ça. Ça crée vraiment un beau fond pour peindre. Après ça, tu es inspiré. Puis, autant j'aurais pu faire un animal sur ça. Ouais. Fait que si je veux quelque chose encore un petit peu plus diffus, j'ai humidifié ma surface. Pour le bas de la toile, je l'ai faite avec mon acrylique. Okay. Ouais, c'est des éclaboussures. Okay. Ouais, ça c'est avec l'acrylique. Je travaillais avec le bleu en ta quinoa. Mm. Oui, je pense que. Les noms, oui. Après quinoa. Fait que c'est vraiment à se promener, à ajuster. Oui, c'est ça, exactement. Pour me guider, pour pas trop aller, je veux aller à l'extérieur un peu. Là, tu vois, j'ai pas sorti beaucoup, j'ai juste sorti ici. Je pourrais sortir un petit peu plus ici. Je pourrais ramener un petit peu de turquoise. Mais en arrière-plan, dans le patron, quand je le fais, puis autant en séminaire, on fait un négatif qui va faire sortir notre visage avec les mêmes teintes. Fait que ça fait super beau, puis je retravaille avec les crayons, de la même façon, mais avec un pinceau plus dirigé. Fait que ça fait plus précis aussi, ouais. Fait que c'est ça, fait que je vais vous montrer encore un peu avec mon crayon. Sauf que là, j'aimerais ça juste vous parler un petit peu plus des autres techniques, mais sans toutes les présenter. Fait que je vais... juste vous expliquer un petit peu le projet dans son ensemble. Vous voyez, ça fait vraiment des belles réactions parce qu'on a un petit peu de plus humide à des places. Oui, c'est ça, hein? C'est pas compliqué. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser le crayon pour faire des traits fins puis les laisser... Oui, absolument, oui, oui, oui. Je pourrais, j'ai pas, je ne l'ai pas fait dans mon projet, mais c'est sûr que là, ici, vu que c'est humide, mon crayon, il va peut-être... sauf que ça fait très, très prononcé. Okay. Fait que si tu ne veux pas trop prononcer, tu pourrais le faire aussi à la fin. Okay. Si on ne veut pas trop prononcer, on vient juste le rendre un petit peu plus diffus, puis on peut juste l'étirer un peu. OK. C'est le papier oui. Laurier qui fait que ça fait bien, hein? Oui, c'est ça. C'est lui qui rend le petit côté vaporeux. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Autant que je pourrais me prendre mon pinceau humide, comme ça. Puis je m'en viens chercher ma peinture. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon projet à la fin pour faire... Là, je ne l'ai pas fait en bleu. Là, je suis en bleu, mais... excusez, dans mon projet, je l'ai fait ouais, en négatif. Fait que j'ai refait sortir, j'irai un petit peu de turquoise. On peut humidifier aussi un petit peu. Si on humidifie trop le visage, à ce moment-là, ça va rentrer dans le visage. Fait qu'au pire, si ça rentre, c'est pas grave. On vient avec notre peinture acrylique pour définir notre visage encore un petit peu plus. Fait que je reviens avec mon turquoise. Et je m'en viens définir un petit peu plus mon visage. Fait qu'autant, je pourrais dire, ah, je vais augmenter un petit peu de turquoise dans le haut. Je reviens avec mon pinceau, j'en mets un petit peu. Fait qu'il va se rendre un petit peu plus diffus. Je reviens avec mon bleu. Je vais augmenter encore un peu. Puis à cette étape-là, c'est vraiment là, la base. Fait qu'il y a pas, on ne peut pas manquer notre coup parce qu'après ça, on fait du collage. Fait que c'est un peu la suite du projet. C'est on laisse sécher comme il faut.
Ou bien on le fait sécher au séchoir naturellement, sans problème. Fait qu'on le fait sécher comme il faut. Après ça, c'est l'étape du collage. Fait que ça vous donne une idée. En plus, je vais juste vous montrer ici. Fait qu'on fait l'étape du collage. Fait que c'est avec le papier Shiogami. Moi, j'ai choisi des teintes de bleu. Parce que bon, j'avais l'idée d'un projet dans les teintes de bleu, mais en même temps, vous pouvez laisser aller votre imagination, puis décider que vous allez dans le rouge, puis vous choisissez du papier dans le rouge. Fait, à ce moment-là, j'ai choisi ces deux teintes de bleu-là. Fait que la façon dont je travaille avec le papier Shiogami, je viens vraiment déchirer des morceaux, sans trop penser encore. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est pas compliqué. Puis je viens positionner ce que je recherche. Puis je décide de ma composition. Après ça, je vais embarquer, je crois que c'est une couleur acrylique un petit peu à la suite. Oui, c'est ça. C'est là que je viens faire des coulisses, puis je viens renforcer avec mes couleurs. Je travaille aussi avec le Green Gold. Fait que ça se trouve le vert or, puis le bleu anthraquinone. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je viens faire un peu de bleu au travers pour renforcer davantage. Après ça, j'ai travaillé avec le petit pochoir mini cubiste. Ce petit pochoir-là, j'ai travaillé avec celui-là de la collection TCW. Fait que je suis venue en mettre un peu partout dans mon projet. Et ensuite de ça, je travaille avec mon pochoir engrenage là, pour faire sortir à la fin avec du blanc. Puis, je suis revenue avec mes couleurs là, pour teinter un petit peu ici et là. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Très ouais. Bon, super. Ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aussi à la maison. Fait que je vais juste me revirer pour faire... Je vais me refirer pour faire un petit bonjour. Fait que c'est ça. Fait que je disais que je terminais avec mon acrylique. Fait que je suis revenue aussi par-dessus mon pochoir. J'avais fait en blanc. Je suis revenue faire mes techniques de la vie un peu ici et là. Et à la fin, complètement, c'est très important de vernir avec un vernis en aérosol. Puis il faut le faire à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de senteurs. Fait que c'est toxique. Fait que je vous conseille vraiment de le faire à l'extérieur parce qu'on a du crayon fusain aussi pour définir notre visage. Puis le crayon fusain va se promener. Fait que j'ai utilisé le vernis Camar là, dans mon cas pour ce projet-là. Okay. Alors, si jamais ça vous intéresse, le patron est disponible, le cours en ligne est disponible et je fais aussi le séminaire le vendredi 14 octobre. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une belle journée. Puis José s'en vient à midi. Midi, hein, si je ne me trompe pas, oui, pour sa prochaine présentation. Ouais. Ben, merci beaucoup. À bientôt.